Bonjour à tous et bienvenue dans My Téléfoot. Vous pouvez applaudir le retour de Stéphane Powell. Ah. Bravo, bravo. On est ravis de continuer avec Charlotte et avec Franck. Et on est surtout ravis de recevoir ce matin Coach Jovi, Obi Lalé, que je vous demande d'applaudir. Coach Jovi, vous êtes l'ex-gardien du Togo. Vous avez été atteint de 2 balles dans le corps en janvier 2010 lors de l'attaque du bus de la sélection togolaise juste avant le début de la CAN 2010 en Angola. Et puis vous avez sorti le 7 octobre ce livre, Un destin foudroyé, avec des phrases très fortes. Suite à l'attentat, pendant des mois, j'ai éprouvé la sensation d'être un mort-vivant, un intense sentiment de vide et d'inutilité. Coach Jovi, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre 5 ans après cette attaque? L'envie est venue en Afrique du Sud avec un aide-soignant, parce que je me plaignais beaucoup. Et puis, il me disait, au lieu de te plaindre et de pleurer tous les jours, vaut mieux mettre ça sur une feuille. Donc, depuis ce jour, je suis rentré en France. Je faisais le récit sur Internet, je faisais ça sur mon ordi, et jusqu'à ce que j'aie le manuscrit. Après, je suis aidé un peu par quelques personnes. Et voilà, aujourd'hui, le bouquin, il est né. Alors avant de continuer à discuter de votre livre « Destin foudroyé », avant de parler de votre santé aujourd'hui, je vous propose de revoir le reportage que Téléfoot vous avait consacré il y a 5 ans, 9 mois après le drame, sujet d'époque signé Christophe Abel. Depuis une semaine, Coach Jovi Obi Lalé a abandonné son fauteuil roulant. Le Togolais vit avec sa femme et ses enfants dans ce quartier populaire de Lorient, à quelques kilomètres seulement de son ancien club de Pontivy de CFA2. Chez lui, les photos de ses exploits passés avec la sélection togolaise, mais surtout des lettres, beaucoup de lettres, de soutien et d'encouragement. Franchement, ça me fait énormément du bien. Des gens que tu connaisses pas, ils ont su ton histoire et puis ils t'envoient des notes comme ça. Ça, là, ça m'a beaucoup touché aussi. Je vous connais que par la presse, mais votre malheur me touche profondément. Ne baissez pas surtout les bras. Battez-vous, croyez en vous et vous remarcherez. C'est vraiment humain et ça fait plaisir de lire des choses comme ça. En contrat amateur à l'époque avec Pontivy, Coach Jovi Obi Lalé ne touche donc pas le chômage. Il espère pouvoir bénéficier bientôt du statut d'handicapé pour assurer des fins de mois difficiles. Ses journées se résument à ça, lire des lettres et se rendre chez son kiné pour soigner sa paraplégie incomplète due aux balles qui ont frappé son corps. Le 8 janvier dernier, le bus de la sélection togolaise est attaqué par des rebelles alors que le Togo s'apprête à jouer la Coupe d'Afrique des Nations de football en Angola. Coach Jovi Obi Lalé est à l'avant du bus. Pour la première fois, il voit les images de l'attaque. En fait, le premier coup de feu, moi, j'étais déjà atteint. Du coup, j'ai eu 2 balles. Les balles qui ont transpercé le dos. Les 2 balles sont passées dans le même trou. Transféré en Afrique du Sud pour y recevoir des soins intensifs, Coach Jovi Obi Lalé va rester 3 mois à Johannesburg, avant d'être enfin rapatrié en France. L'ancien gardien des Éperviers décide de porter plainte contre la CAF. Une étape dans sa thérapie, car sa plus grande victoire s'écrit chaque jour. Aujourd'hui, il y a eu un grand progrès. Je suis en fauteuil tous les jours. Voilà, j'ai décidé d'arrêter d'être en fauteuil. J'ai pris un béquille. Aujourd'hui, je suis en béquille. Donc, je pense que c'est un gros progrès. Et puis voilà. Peut-être demain ou dans 6 mois, je vais marcher. Même si je boite, c'est pas grave. À tout juste 26 ans, Coach Jovi Obi Lalé a aussi le projet de devenir éducateur sportif. Une nouvelle vie pour se reconstruire. Coach Jovi, comment allez-vous? Est-ce que vous avez fait des progrès physiques depuis ce reportage il y a 5 ans? Ouais, j'ai fait d'énormes progrès parce qu'avant, c'était un peu difficile, la marche. Avec piscine, rééducation et kiné, tout ce qui va avec. J'ai gagné en énergie, en puissance aussi. C'est vrai que revoir les images comme ça, je suis un peu ému parce que je reviens de très loin, parce que c'était vraiment difficile. Vous avez quitté inquiet également financièrement. Vous écrivez dans votre livre « On m'avait jeté sur le bord de la route et l'humanité tout entière poursuivait son chemin. À la Fédération togolaise de football notamment, on m'avait un peu trop vite oublié. J'étais devenu un problème insurmontable qu'on ne voulait plus voir. » Est-ce que vous avez été lâché par le monde du football? Ouais, j'ai été lâché. Je pèse bien mes mots parce que
Comme je l'ai toujours dit dans les interviews, je serais un joueur un peu connu. Ça ne serait pas passé comme ça. Je pense que le monde du foot va trembler. Et puis, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on vit dans un monde, on fait passer l'humain, on fait passer l'argent avant l'humain. Et c'est vraiment pitoyable et triste. Mais Kojovi, d'abord, il est issu d'un pays magnifique qui est le Togo, hein, qui est un peuple extraordinaire. Mais il a été lâché par une fédération, notamment aussi après. Il racontait une anecdote quand il était lors d'un match. Le vice-président, il ne l'avait même pas reconnu. Quoi. Donc, il faut vous donner toute l'estime qu'il a. Et moi, j'ai une question peut-être un peu dure, mais il a connu la différence. Quand on est africain, on vit dans une société où ce n'est pas toujours facile. Et maintenant, il explique aussi qu'il vit la différence de devenir un handicapé. Quoi. Et c'est un monde qu'il ne connaissait pas et c'est une vraie découverte. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une découverte. En même temps, tu vois un petit peu la méchanceté gratuite des gens. Parce que des fois, ça m'arrive de me garer sur des places handicapées, je me fais agresser. Au début, c'était énervant. Aujourd'hui, je souris et je montre ma carte gentiment. Bon, il y a des gens, il y a des gens qui agissent et puis des fois, c'est marrant parce que tu ne vis pas dans la colère quand je vis. Et je trouve ça génial, c'est que tu es toujours dans le... Dans le côté de la beauté du geste, quoi. Franck, il est jamais en colère, Kojovi. Et pourtant, il pourrait l'être, quoi. Moi, j'ai un respect terrible de ça. Ça boue énormément dans mon intérieur, ouais, là, parce que je suis d'abord ému. Je suis très fier d'être à côté de toi, parce que pour moi, t'es en train de remonter la pente. Tu t'accroches et tu te bats. Mais en même temps, je suis très, très déçu par ce monde du football. Et je trouve que l'avoir lâché comme ça, c'est assez dégueulasse. En plus, je viens d'apprendre que... par personne interposée, on a des liens familiaux, puisque sympa, son beau-frère et le petit copain de ma nièce, donc voilà, on sent que si elle se marie, c'est une belle famille, on sera la famille, voilà. Quelle belle famille. Et bah voilà, je pense que je vais prendre son numéro de téléphone et je pense que j'ai possible. Vous allez l'inviter à votre pièce. Oui, en dehors de ça, je pense que surtout, il va falloir remuer certaines personnes pour pour qu'on prenne en compte sa situation, parce que je trouve ça franchement dégueulasse. Ah ben, je dis bravo. J'espère que ça va. Je vous applaudis parce que vous restez quelqu'un de très positif malgré tout ce qui s'est passé. Vous avez pardonné à vos agresseurs. On vous entend dans votre discours, dans votre livre, parler très positivement encore sur votre avenir. On sait que dans les meilleurs, dans les pires moments, on retient toujours des leçons. Vous retiendriez quoi de ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je pense que j'ai gagné en maturité aussi. Et puis, ce que je retiens aujourd'hui, c'est voilà, la vie, c'est pas comme de l'eau. Glacé, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, avec l'accident, c'est vrai que ça m'a permis aussi ici de connaître l'humanité et de savoir que rien n'est rose, quoi, que c'est pas un monde de bisounours. Et puis les gens, ils sont là quand tout va bien, et puis comme dans tous les, pas que dans le monde du foot, dans les sociétés où nous sommes aujourd'hui. La solidarité. Ouais, voilà. Aujourd'hui, moi, je fais avec, je fais ma petite route. Et puis, si les enfants, ils vont bien, mon frigo, il est plein, je suis content. Et l'essentiel. Puis, moi, je fais un appel à la Fédération française de football, puisqu'il jouait dans un club amateur. Parfait. Et donc, la Fédération française donne un coup de main, ouais, gère ces clubs amateurs pour me donner droit de séance à la fédération pour discuter du futur. Du futur. On fera passer le message à la fédération. J'aimerais que la fédération me reçoive pour en parler. Eux, ils ont été là pour moi. Non, mais je veux continuer. Je me doute qu'ils ont bien travaillé, mais je veux en discuter parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Il y a d'autres choses à faire. Deux choses pour être complet. Il y a eu 3 personnes décédées dans le car. C'était un entraîneur français, hein. C'était Hubert Velut qui a aussi été très secoué de cette histoire-là, parce que c'est son adjoint à côté de lui qui, hein, ils ont tiré. Il faut que les gens se rendent bien compte. Qui est décédé. Qui est décédé. Faut quand même que le chauffeur du bus. Exactement. Et la presse de la sélection togolaise. Faut bien se rendre compte que là, on parle plus de football, quoi. Ils sont allés dans une zone difficile. On parle pas de foot. Ils se sont fait canarder, tirer comme des lapins. C'est grave ce qui s'est passé. Faut pas l'oublier. C'est ça aussi. On a l'impression parfois de dire c'est fini. Et moi, je m'engage aussi, en tout cas dans mon petit pays, même si c'est la Belgique, de le recevoir, qu'il fasse la promotion de son livre et s'il peut s'en sortir aussi avec ça et de faire passer les messages. En tout cas, c'est une belle personne. Les Togolais sont des peuples. C'est vrai, c'est un peuple que j'aime bien. Mais c'est grave. Et je pense que c'est pour ça que je comprends aussi la colère de Franck, c'est qu'on parle plus de foot, là, Franck. Et c'est ça qui est énervant. C'est le côté humain, c'est l'injustice de la vie, et parce que il a 26 ans et que c'était un grand sportif et que maintenant il doit se battre contre des éléments extérieurs.
et il n'a rien fait pour ça, il n'avait rien demandé. Et je pense qu'il faut l'aider. Il y a le côté humain simplement qu'il faut se rappeler, quoi, c'est tout. Ouais, et aussi, Fred, le côté de manque d'organisation des sélections africaines, il faut le dire, quoi. Ils sont allés faire un camp d'entraînement, ils auraient pu aller en avion là-bas en Angola. On les a envoyés au casse-pipe, des prises de risque. On ne va pas réécrire l'histoire, c'était il y a plus de 5 ans. Ce qu'on va retenir, c'est qu'à la fin du reportage, vous disiez vouloir devenir éducateur sportif. C'est le cas aujourd'hui? Oui, c'est le cas aujourd'hui. Je suis éducateur, pas sportif, mais spécialisé. Mm-hmm. On aide les jeunes à se réinsérer dans la société, dans le monde du travail. Et je suis très content dans ce nouveau métier. Ça se passe super bien. Et eux doivent être très contents de vous avoir. Oui, ça se passe bien avec eux. Puis ils disent toujours en purge d'énergie à travers toi. Et je trouve que c'est beau. Eh bien, on va retenir votre sourire. Vous restez évidemment avec nous. Je vous rappelle le titre du livre de Coach Jovi Obilalé, Un destin foudroyé. C'est chez Talent Sport. Et je vous demande d'applaudir une nouvelle fois Coach Jovi. Alors, avant la minute belge, je vous propose une nouvelle rubrique, la minute décalée. Cette semaine avait lieu les 14e journées d'arbitrage. Le thème de cette année, susciter des vocations. Et Maïté Léléfoot était à Paris, au Stade Jean-Bouin, mercredi, pour suivre Djibril Cissé dans la peau d'un arbitre. Choucine, Barbara Durand. Bonjour. Celle qui va te guider en arbitre. Il n'y a pas d'enjeu, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je me disais, il n'y a pas d'enjeu. Si tu as des questions, je demande. Que des fautes graves. Que des fautes graves, alors on donne. Ça marche. Allez. À tout à l'heure. Pas de faute, pas de faute bête. Non, pas de faute. Propre. Il compte pas là au gardien, il a le droit de la prendre, quoi. Je crois que c'est pas comme. En plus, c'est un 7, je crois qu'il a le droit. Je crois qu'il a le droit. Fais ton lacet. Attends. Vous la faites ? Non, c'est bon. Fais ton lacet. Là, je suis bien placé, là. Allume ! Bien joué ! Comment il se débrouille, Djibril, pour l'instant ? Très bien. Très bien, je trouve, oui. Il aurait pu avoir une carrière dans l'arbitrage aussi. Quand il y a eu ton siffle, là, quand même. Non ? Mais vous sifflez quand ? Vous utilisez vos sifflets quand ? Que faire des fautes ? Parfait, très bien. C'est Thierry qui vient. Merci. Bien. Merci à toi. C'est important pour moi de transmettre ça aux enfants et de leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Merci, Jimmy. Salut, Mike Foot. Impressionnant, Djibril Cissé, qui est à la fois arbitre, mais aussi un petit peu coach, là, on l'a vu. Et danseur, voilà, il danse avec les stars. Regardez son tweet hier soir, où il nous a présenté, tout simplement, ses nouveaux crampons. Voici mes nouveaux crampons, a tweeté hier Djibril Cissé. Pas d'élimination hier pour la première de Danse avec les stars. Djibril est donc toujours en course, bravo à lui. Mais il se débrouille bien. Attends, Franck Leboeuf, moi j'en continue avec... J'aimerais bien, moi aussi. On continue avec les journées de l'arbitrage pour Danse avec les stars, on verra plus tard. On vous attend un jour. Ah ouais, j'aimerais vraiment le voir. Laissez-moi tranquille. Avec Bichette. Peut-être moi. Avec Bichette à deux. En parlant de vous, en parlant de tweets, les interactions, Charlotte. Très bien, parfait. Fred, ça a réagi, mais surtout sur Ben Arfa, évidemment. On va le voir, regardez, Ben Arfa, la pépite. Ben Arfa, il est chaud. Voilà, Ben Arfa continue à être régulier, c'est ce qu'on lui demande, hein, c'est ce dont on a parlé d'ailleurs sur le plateau de Téléfoot. Il a même reçu le soutien, regardez, de Maître Gims, qui a posté une photo de lui juste ici. Excellent début de saison de manga à thème Ben Arfa. Et juste pour la petite dédicace, Sébastien a tweeté en direct de sa chambre, où il a dit « J'attends Fred, Denis, Charlotte, Franck, Bichette et entendre mes amis de Téléfoot, la petite dédicace pour lui. On va juste revenir sur Ben Arfa. Coach Jovi, vous suivez un peu son parcours ? Oui, je le suis un petit peu. Vous avez regardé ses performances à Nice ? Oui, j'ai vu. Il commence une bonne saison. Après, bon, j'ai vu aussi qu'il a envie de retourner en équipe de France. Et ça oui. va être un peu difficile, mais bon. Il faut qu'il continue à travailler. Après, le reste va venir. Mais hier, ils ont ramassé à Ajaccio. Ils ont peut-être manqué un peu d'humilité, je pense. Les Niçois... ils ont pensé que ça allait être facile et ils sont tombés contre des mecs qui crèvent la faim. Ajaccio veut s'en sortir et ils sont tombés sur une équipe qui avait plus envie que... Je pense que Puel était en colère hier, dans l'état d'esprit, pas sur la qualité de leur... Mais c'était fait, quoi. Et tous les médias aussi, Nice, Ben Arfa, il faut se calmer, quoi. Je pense qu'il faut rester calme. Il faut grandir. Ça va leur servir. La minute belge,
Votre coup de cœur, votre coup de gueule, Stéphane, on va commencer, on va vous chauffer, on va commencer par le coup de gueule. J'aime bien quand vous. Il aime bien demander, mais c'est vrai qu'on aime bien quand il commence par le coup de gueule. Non, mais c'est un coup de gueule, mais parce que j'ai une vraie réflexion. Voilà ce qui se passe au Paris Saint-Germain et notre ami Laurent Blanc, où il doit s'acheter une paire de coronets ou pas, ou c'est pas lui qui décide. Mais à un moment, il va falloir prendre. Je crois qu'il tient une boutique. Il y a un moment, il va falloir prendre des décisions. Quoi. C'est-à-dire que le cas de Zlatan. Il va falloir prendre une décision. Il est nul contre Madrid. Il ne le sort pas, il sort des autres. OK, Di Maria n'était pas beaucoup mieux. Mais voilà, il le protège. Il le protège, il me dit, c'est de la gestion de groupe. C'est quoi le problème? Tout le monde le sait. C'est que s'il a peur, que si à un moment il met Zlatan sur le banc, ben Zlatan le lâche jusqu'à la fin de saison. Il pourrait peut-être bien encore en avoir besoin, notamment en championnat de France. Parce qu'en championnat... D'ailleurs, ce soir, c'est Cavani qui devrait être exactement. Sur le banc et Pastore titulaire. Et c'est ça que je veux dire. C'est que là, il a difficile à régler le problème de Zlatan parce qu'il me dit que ça pourrait faire des remous dans mon vestiaire. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que les autres qui ne jouent pas et qui ont peu de temps de jeu, ils ont aussi les boules. Pastore, il commence à choper les pastèques. Lucas aussi. Donc, il y a un moment, je pense que Laurent Blanc... Ou alors, ce n'est pas lui qui décide. Ou alors, c'est son président, c'est Nasser qui décide. Mais le cas Zlatan. Et moi, ce qui m'interpelle, et là, je vais demander à Franck aussi son avis, c'est qu'on est en train de faire croire que Zlatan pourrait péter un câble. Mais je pense que si Zlatan, tu lui expliques qu'il y a un moment, il peut être un peu sur le banc parce qu'il est moins bon. Non, mais j'ai l'impression que... Franck, quelle serait la réaction de Zlatan s'il était sur le banc? Je ne vois pas du tout Zlatan sur le banc. Je pense que c'est impossible à gérer. Je pense que c'est... Il considère, à juste titre, qu'il est la figure du Paris Saint-Germain, qu'il a, grâce à son talent et sa personnalité, mené le Paris Saint-Germain, en tout cas médiatiquement, au niveau où il est, aussi par ses qualités. N'oublions pas qu'en 3 ans, il a foutu Paoletta au placard en étant le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a une vraie réflexion. J'ai été écouté, je suis d'accord avec toi sur le principe. Je pense que Laurent Blanc ne pourra se sortir de cette situation que s'il a le support, enfin l'aide du président. Tout à fait. Sinon, il ne pourra pas le faire. Mettre Zlatan sur le banc, j'y crois pas, je vois pas Zlatan sur le banc. Ou tu le fais jouer, ou tu le fais pas jouer. Je suis Mais le sortir dans ce cas-là, s'il est titulaire, le sortir, pourquoi il ne le sort même pas à la 70e? Il aurait dû. Je pense que c'est une erreur, il a fait un choix tactique. Moi aussi, j'aurais sorti Zlatan, j'aurais mis Cavani, mais on est tous des entraîneurs. Et quand c'est facile devant notre poste de télévision, quand on est sur le banc de touche, c'est certainement plus difficile. Je trouve qu'il y a eu une erreur. Après, tout le monde fait une fixation en tout cas sur Zlatan, sur ce mauvais match du Paris Saint-Germain. Tu n'es pas si mauvais, parce que tu fais 0-0 contre le Real de Madrid non plus, mais quand même. Mais par contre, il était où, Thiago Motta? Matuidi n'était pas Matuidi. Le seul qui n'était pas là. Lucas, il est rentré, il a fait n'importe quoi, excuse-moi. Cavani, c'était pas non plus... On va pas refaire tout le match. Non, mais il faut aussi... Dans mon coup de gueule, c'est pas demander que Zlatan ne joue plus. Je reviens à ce que dit Fred. C'est le sortir quand il est moins bon. C'est le sortir quand il est moins bon. Même ça, t'as l'impression qu'il n'ose pas le faire. Tu peux pas le mettre d'entrée de jeu sur le banc de touche. Je pense que là, tu crées un problème. Je suis pas sûr. N'oublions pas que, et comme j'en ai parlé tout à l'heure dans Téléfoot, tu as des mecs qui tiennent le vestiaire. Le mec qui tient le vestiaire en ce moment, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il a des lieutenants. Si tu ne le mets pas, je peux te dire que tu vas au-devant de problèmes. C'est vraiment lui qui tient le vestiaire? Mais bien sûr, il a toujours tenu le vestiaire. Et quand il est passé devant les journalistes qui a dit « Vous répondez pas », ils sont tous faits oui, comme oui, ça. Ils l'ont suivi, Là, ça te dit tout. Moi, on va tous radoucir en parlant de votre coup de cœur, qui est un petit peu plus sympathique. Il concerne un autre Parisien, Serge Aurier. Mais je revenais la dernière fois avec Bichet qui nous racontait sur l'histoire de Maxwell, qui était ce genre de joueur discret, qu'on ne parle pas beaucoup et qui est toujours là. Eh bien, Aurier, l'année passée, on l'a fracassé. On avait un international des Pays-Bas où il était Van der Wiel, intouchable. Et Aurier, je constate quand même que, sans faire de bruit, il a gardé sa place de titulaire et il est fort. Il a gagné sa place de titulaire à force de jouer, de bien jouer. Et moi, ce que j'ai vu en première mi-temps contre le Real, et il est fort, quoi. Je veux dire, il est puissant, il est fort. Il a même fait peur à Ronaldo. Et je dis respect parce qu'on est en train de faire des solutions au Paris Saint-Germain, de transférer des joueurs pour qu'à un moment, lui n'avait plus sa place. Et il est toujours là, quoi. Il est titulaire, il a gagné sa place et je dis respect. Voilà. C'est bien. Le message est passé. On continue car on a pris du retard. Les mythos à présent avec nos imitateurs marseillais. Automoto était consacré tout à l'heure à Retour vers le futur. Eh bien, les mythos aussi, ils voyagent dans le temps et imaginent le monde du football en 2035. Bilal et Stéphane. Le futur.
C'est vrai, PSG a vraiment tout gagné depuis plus de 25 ans maintenant. On a gagné 3 fois Champions League. On a été premier club à pouvoir remporter Roland Garros. Je vous laisse réfléchir comment. Et aussi premier club à avoir joué sur la Lune et sur Mars. Aujourd'hui, notre équipe première évolue en division d'honneur. Alors bien évidemment, l'objectif de l'Olympique de Marseille est la montée en CFA 2. Cette montée va se jouer entre Fréjus, Siphon-les-Plages, Le Tolonnais, le FC Rousset et nous-mêmes. Notre club aujourd'hui s'apparente au projet Lyon-la-Duchère. Concernant notre capitaine Abou Diaby, il n'est pas encore prêt. Il s'entraîne pour l'instant avec notre équipe réserve qui, je vous le rappelle, évolue en championnat intercommerçant des Bouches-du-Rhône. Bonjour Estras et Payet. Et tu sais, pour moi aujourd'hui, c'est une grande fierté d'avoir été nommé président de la FIFA parce que ça a permis de montrer que le travail effectué il y a 20 ans a porté ses fruits. On a pu éliminer toute ces raclures avec le blanchiment d'argent, la corruption et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut travailler en toute transparence et on va pouvoir effectuer le partage des richesses comme il se doit et pouvoir faire du bon boulot et éviter toutes ces affaires de mafieux qu'il y avait avant, quoi. Toulouse a fini 7e. Ouais, incroyable, hein. Qui s'en serait douté? Ils avaient une chance sur ça. Tu imagines si je pouvais revenir au début de la saison? Je parierais un gros paquet sur les... Non, ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que vous venez de dire, là? J'ai dit que si je pouvais revenir au début de la saison, je parierais un gros paquet... Un grand merci aux mythos, très inspiré cette semaine. Et on passe au buzz de la semaine avec vous, Charlotte. On continue sur le thème de retour vers le futur. On y est, on y reste. Vous me touchez, là, vous me touchez. Alors, retour vers le futur en anglais, c'est back to the future. Et forcément, Bakary Sagna a profité de l'occasion pour en faire un buzz. On regarde. C'est son surnom, Bac. Ouais, je pense qu'il attendait ça depuis longtemps. Ouais, depuis qu'il a coupé ses cheveux, il est inspiré. Hein. je trouve aussi. Ouais. Moi, ça a été grand plaisir de rencontrer Michael J. Fox. 98, 2 jours après la finale de la Coupe du Monde, Michael J. Fox. Et ben, on est content de le savoir. Ça, c'est les références hollywoodiennes de France. Mais non, mais on est là, Back to the Future. voilà, c'est tout. On s'en fout du foot. Un peu de foot féminin en passant. Oui, c'est la footballeuse tricolore et de l'Olympique lyonnais, Amel Majri, qui s'est faite remarquer cette semaine grâce à ce sublime contrôle du talon. Génial. Derrière la jambe d'appui. C'est terrible. Qui n'est pas sans rappeler, on vous l'a mis en image, le geste technique de Raphaël Varane l'année dernière. Regardez, c'est pareil. Pendant un entraînement des Bleus, lui aussi. Forcément, les. Écoutez-la. Non, c'est régalade. Parce que c'est régalade. Moi, je l'ai regardé en plein de fois, tellement c'est facile. Non, mais c'est surtout, comme le dit sa coéquipière, c'est premier coup. Premier coup, en plus. Ouais. Ça, oui, on peut tous le faire. Hein. Peut-être que Varane a eu besoin de c'est important, un premier coup. Elles ont été battues vendredi par les Pays-Bas. Bravo. Ça, c'était la minute belge. Je vous annonce juste que l'équipe de France féminine jouera mardi contre l'Ukraine pour les qualifications de l'Euro. Et du coup, j'ai raté votre blague. Ah, genre, du coup, j'ai raté sa blague. Non, j'ai dit c'est important un premier coup, c'était gentil, quoi, un peu de l'atmosphère. Oui, après voilà. Michael J. Fox. C'est subtil. Ouais. J. Fox. Allez, on passe à Neymar, impressionnant lui aussi à l'entraînement. Ben oui, forcément, il est détendu, il est souriant à l'entraînement. Neymar, lundi dernier, avec le FC Barcelone, et c'est naturellement qu'il réalise un somptueux sombrero que vous allez voir. On a vu déjà, c'est parti, et hop, parfait. Et forcément, des gestes techniques, c'est habituel pour lui, mais ça l'est moins pour Dani Alves, qui s'est foiré sur le coup, sur le même geste que lui. Ben oui, forcément, n'est pas Neymar qui veut, alors ça, c'est beau. On lui en veut pas. Ça, c'est beau. Il essaie, il essaie. Il faut être détendu de la cheville. Ouais. Ouais. Très naturellement. On termine par une parodie signée Jurgen Klopp, le nouvel entraîneur de Liverpool. Parodie plus précisément, le clip des Beastie Boys, Make Some Noise. C'est un cadeau des fans de Liverpool à leur entraîneur Normal One. On le regarde et on va le commenter en même temps. Normal One. On reconnaît aux côtés de Jurgen Klopp, Philippe Coutinho, James Milner qui pique des canettes dans l'épicerie du coin. Et bien évidemment, les deux malheureuses victimes sont, je vous l'annonce, Arsène Wenger en tenue très chic, sérieuse, homme d'affaires. Mais aussi, on va le voir, il s'en prend plein la tête le pauvre. C'est super bien fait et là, ce qui sort en chauffeur de taxi, c'est Louis van Gaal, plus nerveux, qui a une bonne expression.
Ils sont forts, les Anglais, dans l'art des parodies. Ils auraient pu mettre Mourinho aussi. Ils auraient pu. Bien aimé que Mourinho prenne une petite canette. Et justement, ils seront face à face samedi prochain. Chelsea face à Liverpool. The Special One face au Normal One. Ça sera un beau choc. On en parlera dans Téléfoot, évidemment. On va dire ça comme ça. C'est la fin de ce My Téléfoot. On embrasse une nouvelle fois très fort Sébastien Barniaud, notre confrère journaliste. On lui souhaite un bon rétablissement. On t'embrasse fort, mon Seb. Bisous, Seb. Un grand merci à Coach Jovi, au Bilalé. Je rappelle, votre livre... Un destin foudroyé. Un grand merci d'être venu. On se retrouve dimanche prochain pour Téléfoot. Merci Stéphane, merci Charlotte, merci Coach Jovi, merci Franck. Et bon dimanche à tous. Salut.